Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission de Misra. Aujourd'hui, TV Misra est venu faire la couverture de la réception des bourses familiales et des handicapés aussi au bureau de poste de Misra. Nous allons interviewer les clients et en même temps, nous allons interviewer M. Ming. Comment se passent les choses ici pour que les clients reçoivent leurs bourses familiales? Voilà, comme il n'a pas pris de temps de maintenant, collègue Mbine a retrouvé tout le poste de santé là. Si vous avez dit 5 ans de même boulot, on est indicaté, mais nous avons fait des dossiers de l'eau pour y répandre. Il n'a pas retrouvé tout le temps pour nous donner une donnée, pas avec Kékoukan, pas de Kékoukan. Donc, il n'a pas eu l'émission qui est déjà. Mais qu'il y a une cala, même si vous avez une cala, 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 vous avez. Voilà, donc oui, Natawo le couverture qui est dans l'index sur TV Misra. Voilà. Donc, j'ai un tragnato, ici qu'il y a une interview, il y a une grosse tonne qui est faut difficulté à connaître l'amour, faut sonner à connaître l'amour, fabriquer Kanyama, fabriquer Kanyama. Donc, bien savé, le couverture sur TV Misra en direct. Donc, à bon yalama, donc, vidéo de costume FDNT Misra, le numéro de téléphone est là. 33 997 27 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
Mais depuis la dame de force, il sous la bataille, voilà, il y a des batailles. Toutes les batailles, Voilà, comme on a fait les nyamènes, moi je n'ai pas qu'il y a une bataille, franchement, une bataille de l'eau 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 de donc au bonheur donc avant de passer ni mieux mais quelque part c'est mieux là on fera y tal sur TV mais cela donc vidéo qu'on va regarder on a trouvé des gens aussi qui sont en train de travailler là bas donc vous voyez donc on met niveau dans la salle en direct il y en a même fois est-ce que vous savez vrai ou pas voilà igaro may tam flan kalim kayin depuis kero adim gerefna ani o pogu mo seme gala ñet fam kon ni foguma bafa nga ak adwal ka dole na ko takatina awayi na ina digression parce que les clients allez, Mousseigning, votre client sont en train de réclamer que depuis hier jusqu'à aujourd'hui ils n'ont pas reçu leur argent. Quelle est la cause de ce fléau? Je pense que je salue tout le monde les habitants de Missila et à environ, salut pour l'arrondissement. Il s'est trouvé que dans la zone, il y a un seul bureau de poste qui polarise à peu près 14 communes. Qui polarise à peu près 12 communes. Et 4 départements différents, le département de Bakel, le département de Boudiri, le département de Tamar. Il s'est trouvé que vraiment, depuis le vendredi, on a des difficultés de trésorerie. Les clients sont là depuis vendredi, mais on essaie de gérer la situation parce que nous sommes dans une zone où aussi les gens gardent l'argent dans leur maison. On a mis sur il n'y a pas de commerçants qui viennent se verser. Je sais qu'aussi le système financier, il faut qu'il y ait des versements pour que les transactions puissent passer normalement. En plus de ça, là où on est, on dépend de Tamba. On dépend de Tamba. Tamba aussi, c'est une réception principale. C'est pratiquement tous les bureaux du département de Tamba, de la région de Kédougou. Tout ça, se polarise. L'argent vient de Tamba. Ce n'est pas une chose facile parce qu'on est en période aussi de bourse de sécurité familiale. Chaque jour, presque, nous dépensons plus de 8 millions de francs CFA pour le paiement des bourses. Aucune institution financière ne peut pas résister à cette manne financière. Peut-être la poste en train de tout faire, nos supérieurs hiérarchiques aussi, vraiment, ils sont en train de tout faire pour décaler la situation. Mais le cas de Missila, c'est un cas particulier, parce que jusqu'à ça, de tout la frontière, c'est Missila qui paye. Jusqu'à Boudiri, département de Boudiri, la commune de Komo, Boutoufara, Bani Israël, ça de tout, c'est Missila qui paye. Vous voyez. Ce n'est pas une chose facile. On comprend les clients, c'est pourquoi on est en train de les temporiser, essayer de les expliquer la situation, parce que c'est indépendant de notre volonté. Eux aussi, ils sont très compliqués, parce qu'il y a des programmes pour nous, des plannings de paiement que nous faisons. Mais les clients ne vont pas, ils ne vont jamais respecter ces plannings-là. À chaque fois, l'ONG La Lumière, la Poste se réunissent pour essayer de voir un planning. On dit tel village, vous venez tel jour. Mais pratiquement là où on est, il y a des gens qui viennent de Galapoto, des gens qui viennent de Netepou, des gens qui viennent de la commune de Missila. Imaginez, eux, ils veulent venir aujourd'hui recevoir leur argent aujourd'hui, c'est impossible. Parce que nous faisons notre planning en fonction de ce que nous avons comme disponibilité d'argent.
Vous voyez, et vraiment, nous excusons de ce désagrément rapidement. C'est la période, hein, mais à part ça, le bureau de mission n'a jamais eu de difficultés. Mais en période de course de sécurité familiale, pratiquement, ce n'est pas le bureau de mission, c'est tous les bureaux du Sénégal qui sont dans ce genre de problème. Et il faut que la population essaie de comprendre, parce que ce n'est pas facile. Depuis 2015, nous avons une parfaite collaboration avec les bénéficiaires. Et je pense que cette collaboration aussi a toujours demeuré, et ça va toujours demeurer. Et nous sommes toujours là. Moi, je suis là, je suis en train de contacter la pharmacie, les stations pour les versements. Mais personne n'y peut venir aussi. Tu ne peux pas pousser à quelqu'un de venir verser. Les commerçants qui sont là aussi, je lance un appel à eux. S'ils peuvent venir vraiment nous soutenir, ils font le fait. Mais que les gens démissionnent, arrêtent de garder l'argent dans les maisons. Il faut qu'ils versent. Il faut qu'ils versent. S'ils font ça, ça bouge. Ça bouge. Vraiment, nous sommes dans les. Vraiment, c'est ce que j'ai dit tantôt. Nous excusons auprès des populations, surtout les bénéficiaires. Ils vont aussi comprendre, parce que aussi, ce n'est pas la première fois. Ils ont vécu ces genres de problèmes et cela nous a même dépassé. Mais on gère ça. On gère ça parce que vraiment, en tout cas, de toutes les façons, nous les remercions et nous les encourageons. Nous les disons de patienter. Merci, monsieur.